donc c'est une carte de vœux pour Noël. Gloria est un personnage de la Casa que je trouve assez extraordinaire. Dans la vie, elle s'appelle Rex Anderson, elle est millionnaire. Elle a une usine de mobilhomes, des très beaux mobilhomes tout chromés là, des années 50. C'est une grande habituée du Chevalier Déon et de la bande, on va dire, de New York. Et Gloria est quelqu'un d'assez exceptionnel. Dans les années 64, elle va faire ce qu'elle appelle son usine à filles, c'est-à-dire qu'en fait, elle va aider des personnes du réseau ou autres qui veulent se faire réassigner chirurgicalement, mais qui n'en ont pas les moyens parce que ça coûte très cher, c'est illégal sur le sol américain. Donc il n'y a que deux possibilités à l'époque, c'est d'aller soit à Casablanca, soit d'aller à Tijuana dans la clinique du docteur Barbosa. Et la première de cette usine à filles va être Diana, qui est dans le film Casa Susana. Diana Mary Shapiro. Gloria va l'accompagner même jusqu'à Tijuana, va payer tous les frais et va la récupérer chez elle le temps que Diana se remette de l'opération. Gloria, on la voit beaucoup dans les images qui seront exposées. Elle est assez présente, c'est une habituée. Et Kate disait d'ailleurs d'elle qu'elle avait le cœur sur la main, que c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Gloire à Gloria. Gloire à Gloria, exactement.